Bonjour tout le monde, bienvenue dans FruitCat 0.19 pour la troisième version d'une petite vidéo sur les formes isolées par corps, une seule forme isolée par corps. J'avais en effet fait des petites erreurs dans les précédentes, donc on revoit notre copie, je revois ma copie. Allons-y, nous créons un nouveau corps dans lequel nous créons un nouveau sketch dans le plan XY cette fois-ci. Voilà, un petit rectangle, voilà. Je sors de là, je crée un autre sketch cette fois-ci dans XZ. Et la forme que je vais dessiner, l'esquisse va chevaucher la précédente. Voilà, alors dans ce cas, je peux procéder à une protrusion de ces deux sketchs sans problème. Voilà, et tout se passe bien, sauf si bien sûr je m'amuse à décaler l'un ou l'autre sketch, et si les sketchs ne se touchent plus, le pad, c'est-à-dire la protrusion, sera défectueuse. Voilà, enter. Voilà, c'est défectueux. Parce que je suis allé trop loin. Voilà, il faut que les deux se touchent, hein, au moins. Voilà, donc ça c'est clair. Même si elles ne sont pas dans le même plan, hein, on peut procéder ainsi, on peut les déplacer dans la mesure où elles se touchent. Voilà. Allons-y pour un nouvel essai, cette fois-ci avec des solides. Nous ajoutons un nouveau corps. Nous ajoutons une forme primitive, un cube. OK. Nous ajoutons une deuxième forme primitive, un cylindre. OK. Alors là, la dernière fois, j'avais dit qu'on ne peut pas déplacer le cylindre. Si, on peut. Je double-clique. Je lui dis OK, je veux que cette forme soit accrochée au plan XY, par exemple. Et là, dans Attachment, je peux effectivement bouger mon cylindre. Par contre, je n'avais pas vu que la flèche rafraîchir ou recalculer était grisée. Pour moi, c'était, voilà, ça ne voulait rien dire, en fait. Si je clique, mon cylindre s'est bien déplacé. Bien sûr, tout ça, ça a des limites aussi, parce que si je vais trop loin et que je clique sur réactualiser, eh bien, une des deux formes disparaît, parce que nous revenons au départ, une seule forme isolée par corps. C'est ce qu'il fallait démontrer. C'est ce que je n'avais pas compris tout au départ, ou du moins j'avais lu de travers, ou pas, je ne sais pas pourquoi, mais depuis que j'ai pigé cela, une seule forme isolée par corps, eh bien, ça me facilite la tâche. J'espère que cette information pourra vous être utile. Pour moi, elle vaut son pesant de cacahuètes. Merci beaucoup pour votre attention.